Est-ce que kon pou ki sa Haïti se peyi mwen performan nan Karaib la? Sou gen repons lan, se bien. E sou pa gen el tou, pa enkyete ou pral konen. Gen kat prinsip indispensab pou fon peyi mache, e nan kat prinsip sa ou pral sezi wè konbyen viole la dan yo. Ah, gen parol. Bonjour, bonsoir tout moun. Bienvini, yon sol randevou, yon sol kote. Tak 509 tout ayisyen konekte nan lè emisyon parlant. Mon editorial, se toujou an gran plezir pou mou rejoen nou pou nou vin parle de situasyon sosyo-politik katastrofik lan. E dae, nan imagine nou jiska dat la, okan konsensus pou ko jom jwen pou rive stabilize peyi an. Ensekurite an, politik tèt chanje, asistan sosyal zero bare. Bilan toujou la. Bilan yo toujou la. Et maintenant, c'est un panoplie de facteurs régressifs, nous voilà là qu'à finir avec pays. Nous constatons, et c'est évident, si pas une réponse qui baille, si pas une solution qui peut, pays ne peut jamais avancer. Avant d'aller plus loin, quittez-moi remercier comme d'habitude, bien sûr, pour support, pour encouragement, une réalisation de travail. Merci pour ce qu'on a été connecté dans la famille, et ensemble, nous continuons à faire route, nous continuons à grandir. Et c'est toujours le même principe, regardez la vidéo, commentez, likez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Moment arrivé là pour nous parler pays, pour nous faire des débats. Et des micro-présentations, c'est toujours le même ami que la même voix. En rien, pas changé. Sauf si le dit pour vivre vendredi, depuis fait 2 heures, Monsieur Chanel Paul là pour bien informé avec Yannick. Bien informé avec Yannick. Même Yannick l'a même voix, rien pas changé. Mais pi gros problème haïtien. Et je dis en pile nan nous même prenant piège politique ça. Volontairement ou involontairement nous la donne. Qui s'arrive? Tout pays gen principe. Mais yon pays pour rive bien fonctionner. Fok prinsip yo respekte, otorite yo dwe kredib, e chak sitwayen dwe angaje yo pou fè respekte e aplike la lwa. Jodi an la, pi gwo fay ki gen nan peyi an se pa rapor ak non konsyantizasyon peplan. E avan menm nou we otorite l'Etat yo, se gade tèt ou an tanke sitwayen, an tanke ayisyen, pa rapor a chak aksyon pose, pa rapor a chak komportman gen devan tel sitwasyon, devan sitwasyon donè. Gen bien longtemps là depuis n'a parlé de haïtien faut que nous référer nous avec une notion innocence non peu importe situation non peu importe ce qui est bel là c'est pas jamais vrai c'est pas lui faire c'est faire ou faire lui alors que toute preuve yo te mettre là en grande majorité qu'on est haïtien il pas nature responsable et c'est irresponsabilité ça qui traîne derrière violation 4 grands principes qui utile pour faire pays à marcher. Où est-ce qu'on en est maintenant en termes de sécurité économique? Sécurité économique, là, c'est le premier principe, je dis, qui est violé. Sécurité économique, là, c'est une forme de garantie qui là pour permettre à ce que citoyens améliorent les conditions de la ville à travers l'opportunité économique l'État créé pour lui. Je dis, là, c'est malheureux. Moun ki nan kartye populè yo ki pa ka manje. Si te gen yon politik ekonomik ki te stab, jodi an, sa ta prive ke chak moun gen manje nan bol yo par rapport avèk aktivite yo ta pral mene personèlman. Nan tout situasyon, nou pa bezwen se l'Etat pou vin met manje nan bol nou. Jan proverb la di an, sou ka montre moun nan peche. Se montre l peche, pa oblije chak jou vin balon ti poason, ti poason, ti poason, la fatige yon lè. Ebyè, se nan logik sa. Tout gouvernement ka pense stabilité économique, tout gouvernement qui a pensé développement économique, yo supposé un plan d'accompagnement pour population, yo supposé un plan de relance qui là pour contrecarrer tout déséquilibre qu'a gagné sous balance commerciale là. Et bien je dis qui ça nous constater. Nous gagne ministère du commerce et de l'industrie qui en dedans pays là, nous gagne BRH, yo pas en mesure. Yo pas en mesure pour gérer ensemble de déséquilibre qui gagne yo. Que ce soit sur marché de changeant, que ce soit déséquilibre qui gagne par rapport avec importation exportation, balance commerciale là, yo pas qu'à gérer. Et en gros qui s'accrive, c'est déséquilibre, c'est inflation, pas d'instabilité économique dedans pays. Maintenant, si
pas gen opportunité économique, faut que gouvernement capable lui-même mette la mesure pour l'exécuter stratégie le gain. C'est qui plan d'accompagnement le gain pour jeunes entrepreneurs, pour moun kap investi dans petite et moyenne entreprise en dedans pays yon qui jodi an la kembe, c'est eux même qui kembe. C'est eux même qui fait tourner économie pays aussi faible que lié et voilà, le fait que pas gen encadrement bon côté l'état, pas gon politique économique stable. Nous avons des conséquences. Eh bien, sur 190 pays, nous sommes les derniers dans les Caraïbes. Nous sommes les derniers pays dans les Caraïbes. Et nous sommes 179e pays au total qui n'a pas offert rien en termes d'économie. Alors que, imaginez-nous, nous permettons que 3% de monde en dedans pays qui ont pour eux seuls 85% d'économie. 85% richesse pays, 85% activité économique pays. Et non, mais 3% moun yé. Et 3% moun yé, si nous faisons un résumé, si nous essayons de décanter, c'est 3% moun yé, yon nan secteur alimentaire là, yon nan fourniture. Et c'est eux même encore qui vend l'état service. Donc, dis-moi comment nous espérons faire pays à marcher, dis-moi comment nous espérons ouais jeunesse là qui fonctionne, ouais jeunesse là qui produit, alors que nous pas dit la jeunesse, nous pas encadrer jeunesse là. Tout le monde qui entoure l'état, tout le monde qui entoure l'institution, c'est des monde qui fin fait l'argent depuis bien longtemps, c'est des monde parents ont fait l'argent, grands-parents ont fait l'argent et jodi yo formé pour venir décapitaliser reste population. Et d'autant c'est sous l'île ça nous parler et que l'autorité l'état n'a pas décidé pour réformer système économique là. C'est ouais n'a pas développement, c'est ouais n'a pas le pays a pas avancé et puis Haïti lui-même l'a prêté dans stade lié là. Et ça qui danger dans toute situation ça, c'est que nèg qui même qui gagne même statut avant aujourd'hui là, nèg tête grain tant coulant, c'est lui-même a pu utiliser contre pays encore. C'est lui-même qui vient servir intérêt bourgeois, c'est lui-même yo paye pour déstabiliser, pour créer insécurité. Yo c'est moteur instabilité, yo c'est moteur trouble politique en dedans pays. Moun qui semblait avoir yo. Alors que grand nèg za yo bourgeois corrompu ça yo. C'est entre eux même yo deal. Je dis pas prétendre le fait que moun n'a paye pour bal service. Li c'est zanmou, li pas zanmou. Li gen intérêt la protéger et yo c'est meilleur moun qui positionné, qui mieux placé pour défendre intérêt. C'est évident, si vous n'avez pas l'amour pour payer, si vous n'avez pas de attachement à payer, si l'objectif c'est faire l'argent, altérer l'argent en dehors, ou pas investir dans dedans payer, il faut que vous utilisez et vous utilisez très mal. Ah oui, n'est-ce pas que vous dans le secteur privé qui paraît pour déstabiliser un pays, vous n'avez pas pour dépenser moitié ou gagner une fortune, non pour protéger l'intérêt, pour protéger l'investissement. Au final, c'est qui ça nous voulait faire payer? Il y a ou même qui pensait que nèg ka paye ou nèg ka finance mouvement à faire pour déstabiliser un pays. Ou pas seulement déstabiliser un gouvernement. Ça a un problème avec gouvernement. Gouvernement pas bail service, gouvernement pas faire accompagnement. Ou voulait déstabiliser, ou voulait renverser. On ka comprendre, mais déstabiliser un pays par rapport avec quantité de dégâts a fait, par rapport avec insécurité, par rapport avec instabilité politique là c'est autre chose. Là sont leur paire de manches. Eh bien faut que nous connaissons qui ça nous voulait faire payer. Pays pas ka fè, pays pas ka rete comme ça, gouvernement après gouvernement, administre président après président. Li pas ka rete comme ça, pas ka toujours gon instabilité, pas ka toujours gon opposition et qui malheureuse, qui pas jamais accepter défaite yo. Non. Nous besoin renouvellement personnel politique, participer dans élection, mettez nous fort, gon plan stratégique et puis pour nous avancer. Mais est-ce que nous ka toujours rete non stade de contestation? Li pas jamais possible. Qui pas jamais possible en avance. Deuxième principe important gouvernement a toujours violé, c'est la politique migratoire. Ça nous clair sous lui et jodi an là, si nous choisissons n'importe ministre dans domaine qui gien pour avec migration, qui gien pour avec politique extérieure. Mande youn vin bon estimation de flux migratoire pays. Quantité haïtien on connaît sorti, côté aller, ça y a réglé. Ah, n'importe. Parce que yon pas konnen vraiment, yon pas konnen. Parce que yon perdu contrôle population qui de yon a. Sinon, pour qui sa jounen jodi an la, l'État pas en mesure pour yon gérer et problème et haïtien qui en République Dominicaine yon a fait face dans question kote,
nan kesyon pou ba yo ak de nesans, nan problèm ki gen pou wè avèk e regularize statu yo an Republik Dominiken. Si nou gade la, vale apel, vale alert kap bay sou situasyon ayisyen ki nan Chili, ayisyen ki nan Brezil, moun yo bezwen, moun yo peye pou sertifika bon vie mers, moun yo peye pou lot servis ki yo pa ka jwenn. Alors, ke nou gen politik etranje an ap mene, nou gen de reprezentan de l'Etat ayisyen nan diferent peyi, kote gen komunote ayisyen yo. Me ki sa yo util? Se ki sa yo util par rapport avek bezwen moun yo ki nan diaspora? Eh bien, si yo di nou tre klèrman priorite l'Etat a travers servis, emigrasyon et immigrasyon, se fè laje, se delivre paspor, m'ap kompran, populasyon ap kompran, nè lè sa yap mete yo a la ote pou yo menm pou yo kon koman pou yo fè pou yo jwenn servis. Men eleman primordial, tout gouvernement, se rive kontrole populasyon eksteryor li. E se youn nan bagay nou pa metrize, nou pa metrize l deux fwa plus par rapport avèk populasyon nou gen ki an de dan peyi ya. E, le fè ke nou pa kontrole politik migratoire, nou jodi an son danje pou sekurite peyi ya. Fote de kontrole, nèpòt moun ka rentre, nèpòt moun ka soti an de dan peyi ya, sou fò nou, sou fò papye, sa pas, pa gen moun kap ka detekte l. Pa gen moun kap ka detekte l, e se apati de respè prinsipyo pou nou kompren gen nesesite pou nou retabli, pou nou panse, pou nou fon peyi. Ebyen, si nou toujou rete non logik pou nan viole prinsip, ebyen, san respè de prinsip nou sot site la yo, san sekurite ekonomik lan, san politik migratoire lan, Haiti pap jom sot la rive la, nou pap jom fè avan. Nou pap fè avan. E maintenant, se ki wòl ministère de la défense gen nan peyi ya? Deja pral di m li la pou defann peyi m ap dako avò. Defans nasyonal lan la, ebyen, se troisième prinsip nou viole. E se yon nan prinsip ki util pou fè yon peyi mache. Men nou ka ale pi lwen, san nou pa rete nan kesyon defans nasyonal, se tout sa ki gen pou avèk defann peyi an. Ebyen, lè nan pale de defans nasyonal, nou wè souverènte. E ki di souverènte, nou wè gen egzistansyon l'Etat, ak diferent atribu l gen yo, tankou pèp lan, tankou teritwa lan, tankou pouvwa publik. Men akounye a, a travèr tout eleman sa yo, gon pwen kome. Pwen kome an se la konstitusyon, se la lwa. E se konstitusyon ki pral determine la vi publik an sosyete, se li pral dekri ou liberto, limitou, dwo, devo, etc. Eske dapre nou menm, prinsip de defans nasyonal lan respekte? Le otorite l'Etat ou pren plezi ou pou yo viole la loi, pou yo viole konstitusyon, nome moun jan yo vle, revoke moun jan yo vle, eske defans nasyonal lan li respekte? Ebyen, jodi an, nan objektif nan gen pou kenbe pouvoi, pou akapare yo de pouvoi, pou jere fonksyon yo, yo pa ran yo kont si yo bafwe prinsip souvren yo. Valeur demokratik yo a valeur institisyonel yo. Depi apre 86, nou gen yon ansanm aki demokratik ki pèmèt nou jodi an pale de referandom, ki pèmèt nou pale de eleksyon li pou net demokratik. Sa ka rive, ou pa partan pou prosesus lan. Sa ka rive, ou pa deside integre ou nan lin gouvernement pran. Men, jodi an referandom nan son aki demokratik. Ou renouvle personel politik an peyi, se yon aki demokratik. E dwa gen pou konteste l osi son aki demokratik. Si prosesus lan li a la baz li viole li dekriye, koun ya ou men pou gen interè pou al di nou avèk prosesus lan, pou al pren pozisyon, eske jodi an se nan brigaday, se nan kaze brize, an bagay pral chanje. Te ka kon bagay ki chanje vreman, oui? Si konba yo, se te de konba revolusyonel, men se konba e personel, se konba pou defan interè goup moun, interè pa ou interè meske, ou pa jom ganyan kap chanje. Nou ka bouke jwenn moun ki ran liyan avèk kozan, men ki ap toujou rive pi devan pou lage nou, pase ke enterè nou avèk enterè moun nan se de bagay ki pa konkòde vreman. Jodi a la, pèp la ap defann dwa yo, men ou ap defann enterè personèl, ou ap defann lanjan, ap defann chèkou. Dok pa mande populasyon pou vin ran liye avèk koz ou san ke li menm li pa gen moun kap defann enterè pal. An tanke politisyen, si nou gen konba nan mene, mene konba pou pèp lan, mene konba pou moun ki pi defavorize yo. Pase ke nou menm nou gen lanjan nou deja, nou fè kash nou deja. A l'étranje nou gen plusieurs kont an bank, nou gen plusieurs kay n'achete, nou gen plusieurs machin n'achete, nou gen plusieurs fam ak pitit. Pase ke situasyon nou chanje, politik nan peyi an chanje situasyon nou, li chanje vi nou. Se vi populasyon, se vi pèp lan ki pa jèm chanje.
Nous actuellement là, un groupe nèg qui a fait politique dans le pays, c'est pas l'autre objectif yo gagné. C'est venir faire capital économique yo. Politique là, il est presque synonyme de changement de vie. C'est deux façons, soit on en gouvernement, soit en opposition politique là. Et si des gens pas ou pas rentrer dans gouvernement, ou obligé statut, ou obligé proposition contre moun k'ap krasé yo, k'ap brisé yo. C'est pas que l'autre groupe là il pas gain faille pas. Non, c'est pas que l'autre groupe là il pas participer dans dénaturer pays, dans dévaloriser pays, non. Mais côté eux et en opposition eux, c'est sous l'autre groupe là yeux pour le fixer parce que c'est l'autre groupe là qui a déstabilisé. Yo même yo gain monopole là. Yo gain monopole pour faire ça yo vle en toute discrétion. Mais l'autre groupe là, adje, opposition politique là mes amis, c'est bagaille tête chargée, c'est bagaille tête chargée par rapport avec ça y a réglé, par rapport avec incitation y a fait pour inviter population à craser pays. C'est pas chavire le gouvernement, non. Non seulement y a déstabilisé pouvoir public là, mais y a craser pays à tout. C'est objectif là ça, c'est craser pays pour yo craser gouvernement et puis pour yo même pour yo prétendre y a venir restructurer. Restructurer qui ça, j'en vrai? Eh bien là, nous avons trois principes dans nous. Caper et d'oppositionner pays sous échelle de développement. Parce que nous pas tout le temps ces violations, ni nous même en tant que citoyens, ni autorité l'État autour. Ah oui. Alors que le rôle du gouvernement, c'est appliquer volonté loi dans chaque réalisation, dans chaque action qu'a fait, qu'a posé en dedans pays. Eh bien, pile fois, c'est pas seulement autorité qui empêche résultat de paraître. Nous même tout parce que dans silence nous condamner pays hein, dans action négatif nous condamner pays hein, et faute d'engagement on condamner pirade. Donc là le citoyen modèle il doit s'appliquer pour les besoins de la communauté. Est-ce que nous comprenons? Je dis non seulement nous devons attendre à ce que l'autorité l'État respecte l'engagement au prend pour bailler population service, mais au même en tant que citoyen on doit appliquer pour faire respecter besoin communauté là. Moi j'aime toujours aimer dire sous pas engagé ou pas faire le bruit ou pas boire son besoin parce que c'est au qu'on son besoin. Et bien quatrième principe là, c'est la gestion de l'urgence. Comment autorité l'État ou comment gouvernement ou fait pour gérer question urgence dans le pays? Et puis gros nécessité Haïti gagne dans moment là, c'est l'urgence dans toutes ses composantes sous toute forme ni. Nous gagne urgence sécuritaire, nous gagne urgence sanitaire, nous gagne urgence alimentaire. Avec un pilote, je même prends trois ça yo parce que c'est eux qui paraît plus grave pour le moment. Parce que dans le domaine sécurité là nous gagne longtemps pays là nous gagne notre autorité au perdu contrôle pays là. Nous assister beaucoup plus avec évolution gang qu'a fait. Gang qu'a structuré, gang qu'a fédéré. Gang dans tout petit coin passé dans pays dans Port-au-Prince, dans ville de province, son nouveau gang qui mettait campé. Nèg la li sot la nan capital lan, la police kouri d'elle, li ale nan ville de province, ville yo te bien paisible et puis sortande ya, youn de trois yo getan met ensemble yo fon groupe gang. Ki gen pou mission terroriser population, voler, tuer moun etc. Et jom sot dit tout à l'heure, si l'état te gon contrôle sou circulation, sou déplacement moun yo, sou déplacement chaque gen haïtien, au moins yo te ka gérer plus ou moins question gang, question et moun kap sorti Port-au-Prince al fait gang nan ville de province. Des zones qui te bien paisible et puis moun nan rive, ki sa le fait? Ki sa le fait? Yo monte groupe gang yo. Chaque soir, yo gon zone pou yo attaquer. Yo gen moun pou yo rançonner, fouiller machine, casser pont moun, empêcher moun nan la banque, empêcher moun circuler, empêcher moun rale téléphone dans la rue pou yo fonctionner, voler bagay moun. Eh bien, je dis, c'est le rôle autorité l'État, oui, c'est le rôle PNH, c'est le rôle ministère intérieur. Comme nous avons l'armée, c'est le rôle l'armée pour déployer dans les villes, côté que gen présence, gen forte présence gang armée. Faut que travail en fait, faut que gen responsabilité qui prend. Eh bien, je dis, c'est responsabilité autorité l'État qui te choisi fédérer des gang armés, des groupes armés qui, je dis, ont investi dans le social. C'est ça, m'a dit, mais c'est ça lié. Quelque part, m'a doublé. Parce que personnellement, moi, m'a pas de corrélation qui gagne entre théoriser et protéger moun en même temps. C'est deux grands écarts, ben voilà. Yo ba nul, est-ce que n'a prend ou pas? Gen nécessité pour autorité l'État repenser statut bandit, là.
Ben oui, si nous prenons mesure bien entendu pour nous combattre la criminalité organisée, pour nous combattre banditisme, pour nous combattre insécurité en dedans pays, que nous reconsidérer moun yo, que nous reconsidérer bandi yo. Parce que tout bandi c'est bandi, mais tout bandi pas même, tout bandi pas même. Jodi an la, nèg ka finance insécurité yo, yo pas moins bandi que bandi qui avec gros machin qui dans la rue. Yo. La seule différence, c'est que eux-mêmes, ils sont dans l'ombre. En attendant que vous identifiez, que vous arrivez sous vous, si vous voulez arriver sous vous. Mais tout bandit, c'est bandit. Tout bandit, c'est bandit. Et c'est toujours un seul objectif là où gagne, un seul résultat à viser. Terroriser les gens, tirer avantage et puis continuer l'activité. Continuer sur votre criminalité. Eh bien, c'est le même pouvoir public là tout. Il doit fixer un seul objectif. Indépendamment de toute relation qui a gagné entre pouvoir, entre des proches du pouvoir et l'insécurité. Parce que faut que la population se circule librement, faut que les gens vaquent avec l'activité, sans pas stresser, sans pas peur. Ben oui, besoin de l'autre, la paix, sécurité, stabilité en dedans pays, ça c'est base. C'est base pour le développement du pays. Maintenant, plusieurs gouvernements passés, pas vraiment de satisfaction qui bat le peuple. Sinon que je dis en sécurité avec qui étude d'esprit chaque grand haïtien, li dépend de bonne volonté en bandi ka gen, li dépend de choix bandi en café pour le décider camper ou bien pour continuer dans ça la régler comme insécurité en dedans pays dans vague et de banditisme en dedans pays, ça c'est choix bandi. Mais c'est pas que c'est pouvoir public, c'est pas que c'est la police qui fait en quelconque et avancer, c'est pas que la police pose en quelconque action, non, c'est volonté bandit. Donc je dis on a réalisé ce qui ça vie nous est, ce qui ça nous base existence nous. Sous la bonne foi, sous bonne volonté on bandit ka gagne. Et bien on se bat pour la cause et on la défend. Oui, parce que pas de moyen jodi an, pas de moyen jodi an pour nous quitter moun ap divize nous, pour nous quitter nèg ap divize on pays, nan mette instabilité, nan créer insécurité pour déstabiliser pouvoir, pour prendre pouvoir. Et c'est nan faire ça nous vle, c'est nan quitter moun faire ça ou vle qui fait pays arriver là. Et bien peu importe initiative qu'ap prendre dans pays, li supposé couper en bas la loi. C'est pas parce que on vise changement pour changement gen d'elle on violence, on violation principe. Ka toujours gen contestation et c'est pour ça gen dialogue. Sou pas d'accord, on discute et sinon pas ka joindre nou entente. Gen réponse qui ka bay directement sur le terrain, mais nous pas ka rentrer dans logique de contestation, 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 mais contestation c'est avec violence pour le faire, c'est avec fracas pour le faire. Faut contestation mette instabilité en dedans pays. Par ailleurs, pas ka fait comme ça. Nous pas ka réduire pays à ça nous voulons nous-mêmes comme opposition politique. Nous pas carrer du pays à ça en l'autre gouvlé comme pouvoir supposé gain concertation supposé gain cohésion action qu'a fait en dedans pays. Gros bagaille pour nous comprendre. Nous à chaque action gouvernementale qui posé toujours une bonne volonté qui d'elle. Ça pral dépend nous-mêmes comment on pral appréhender bonne volonté ça. Est-ce que bonne volonté ça li valable pour groupe opposition ou bien est-ce que le valable pour pouvoir? C'est par rapport avec choix chaque parti yo pral vinn déterminer volonté peuple. On est pourquoi j'aime décider pour peuple. C'est par la suite peuple en pral bénéficier, mais dès le départ, ça fait là le fait dans volonté moun qui décide instaurer là. Je dis à la chaque parti a chercher à essayer détourner attention peuple. N'a fait débat sur référendum, n'a fait débat sur élection. Mais dans tout débat ça yo, c'est qui côté nous placer peuple. C'est dans qui position nous placer population haïtienne. Moi l'expliquer nous en bagaille. Si gain évolution qu'a fait dans monde là. Gain avancée technologique, gain l'autre changement qu'a porté. On pas eu son problème pour ta changer en constitution, pour ta amender en constitution. Maintenant, c'est qui objectif qui gain derrière changement. Déjà nous gain constitution 87 là. Dans la constitution 1987 là, yo prévoit principe et procédure pour gain amendement, yo tracé grande ligne référendum etc. Mais li évident contestation qui gain par rapport avec référendum là, par rapport avec projet nouvelle constitution. C'est du fait préalablement c'est pas initiative opposition.
Et d'ailleurs, chaque parti a intention par eux de changer la constitution. Opposition a envie de parler. Il a une ligne par rapport avec le pouvoir PHTK. Le pouvoir PHTK a une prétention par rapport avec l'opposition politique. Il y a une barre pour l'autre. Mais qui ça yo décide pour peuple haïtien jodi an la gen contestation qui te population décide qui te peuple an décide ou pas casser ou même en tant qu'opposition politique pour qui te Port-au-Prince ou fin faire quantité scandale ou qu'on a prend ville de province ou fon propagande contre référendum mais qui te moun yo décide qui ça yo vle et pour moun yo décide librement. Pour moun yo décider de manière éclairée, faut nous faire moun yo comprendre qui ça gagne dans projet nouvelle constitution, qui ça gouvernement ka mette comme piège pour yo et qui ça ou même ou choisi ba yo comme lumière. Moi même depuis ndande processus référendaire là li commencé depuis le comité consultatif indépendant a publié avant projet nouvelle constitution, pourquoi j'aime tande pour une fois opposition politique là, yo di bon tout moun m'invite nou nan tel côté à tel heure, nou pral parler de projet nouvelle constitution. M pral montre ki sa gen adèl comme piège. Mais avantage yo. M pa kwè mes amis. Nou avant projet nouvelle constitution. On bagay yo di a fait pour peuple. M pa kwè seulement y des avantages ta gen. En sérieux. M pa kwè c'est des avantages seulement pour projet nouvelle constitution ta gen adèl pour population haïtienne nan. Donc je dis on a besoin d'une opposition politique qui modérée non seulement par rapport avec ça le capoté pour population en termes de bagage intellectuel en termes de formation mais qui modérée tout par rapport avec action y a posé en dedans pays. Je dis là l'inacceptable pour n'a faire des appels à la violence pour n'a déstabiliser un pays pour n'inviter peuple encore venir craser venir bouler bien yo l'argent contribution yo c'est parce que nous méchants. C'est parce que nous pas penser vraiment pour population. Ah bien oui, si pouvoir public là li en bo, c'est eux même qui gagne monopole pour respecter principe ça, yo pas respecter. Mais nous même qui dans l'autre bo, travail pour nous faire population comprendre intérêt qui gagne pour forcer autorité l'état yo respecter engagement yo. Nous pas faire. Son seul lutte qui gagne dans pays, son seul combat qui gagne, c'est combat pour prendre pouvoir, c'est combat pour venir diriger, c'est ça lié. Eh bien moment arrivé là. Pour nous prendre conscience que nous en démocratie et si nous en démocratie c'est élection qui doit servir pour renouveler personnel politique c'est pas ni sélection c'est pas ni transition c'est la volonté c'est le choix populaire je dis alors on suspend goût mais pour nous mettre transition on suspend bataille pour nous venir prendre pouvoir pendant que dans élection nous pas ka bay nous pas ka faire roi je dis hein on nous prépare terrain nous on nous rallier mon à cause nous on nous former population on nous éduquer peuple on fait comprendre ça qui a passé dans pouvoir PHTK dans régime PHTK c'est dérive montrer mon yo c'est dérive apprendre yo c'est dérive apprendre yo penser de par eux même on suspend penser pour yo et c'est pas penser nous pas te ca penser pour yo non là nous penser nous tellement penser de manière négative nous tellement participer dans détruit population dans détruit pays que finalement peuple pas ka faire nous confiance encore peuple pas faire nous crédit pas gain crédibilité pour nous et puis pendant un bon à violer principe nous même nous pas ka dit nous c'est opposition nous sommes opposition éclairée nous sommes opposition structurée nous sommes opposition démocratique cap bataille pour changement cap bataille pour meilleure condition la vie pour monde pour peuple et puis n'a violer confiance peuple et puis n'a perdu population en erreur non. Eh bien là moment de réveil de conscience collective l'arrivé, faut que population, faut que peuple haïtien wè yo nan erreur par rapport avec moun ki di yo kanpe avec yo, moun kap défend intérêt yo. Parce que tout ça n'a défend comme intérêt, c'est intérêt poche nous, c'est intérêt zanmi nous, c'est intérêt grand maître. Nous parce que en pile nan nous nous comportons comme des esclaves, esclaves politiques que nous y, esclaves économiques que nous y. Eh bien je dis hein, la preuve en est bien grande que tout ça n'a défend c'est intérêt bourgeois. Oui. Moment arrivé pour mettre en bout dans l'émission mon éditorial pour jeudi, on espère t'y édifier et surtout apprendre de quatre principes ça yo, quatre principes au principe ça yo que autorité l'état violé constamment qui réduit pays côté lié là. Et nous pas qu'à penser, nous pas qu'à parler de changement, de avancement pour pays sans que par une sécurité économique, sans que par un contrôle sous politique migratoire là, sans que par une réelle défense nationale et sans que
pas gagné vraiment un contrôle sur l'état d'urgence dans le pays. Bon, là, on finit d'apprendre. Maintenant, c'est à partager connaissance avec proche ou avec entourage. Vin di yo, mais qui soit apprendre de pays, mais qui principe qui a prolongé pays, et mais qui ça qui doit faire par rapport avec principe ça. Aussitôt gen violation, faut que nous bataille pour yo respecter. Donc, émission arrivée dans bout li, principe là, li pas changé. Continuez à regarder vidéo, partagez vidéo avec tout content qui quittez un commentaire, quittez un like pour dire j'en apprécie travail. Rendez-vous en l'icasse pour demain sur même chaîne, non? Des micro-présentations, c'est toujours même Yannick, la même voix. On n'est pas changé. Merci tout le monde. À très bientôt. Sorti le dit pour griffer vendredi depuis fait 2 heures. Monsieur Chanel Paul là pour qu'a bien informé avec Yannick. Mon éditorial. A bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Même Yannick là, même voix. Oh yeah. Pas changé.